Écoutez, c'est difficile à mesurer, justement. Je crois que la question ne doit pas être posée forcément de cette façon. Parce que ce que montrent les recherches, la recherche internationale, c'est que cette question de l'efficience des solutions EdTech, des solutions numériques, elle dépend beaucoup du contexte. C'est le principe de la recherche. Et qu'elle est peut-être plus élevée avec des publics. Dit à besoin éducatif particulier ou dans le cadre de l'inclusion, qu'elle peut susciter l'engagement d'élèves qui sont en situation de décrochage ou de démotivation, et enfin qu'elle permet surtout, et ça c'est quand même un point qu'il ne faut pas négliger, de faire rentrer l'école dans la société numérique. C'est-à-dire que si je prends un petit détour par rapport à votre question, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on s'est déjà demandé si les manuels scolaires avaient une efficience pédagogique. Jamais je ne pense Voilà. pas. Ouais. Donc, rentrer sur la question de numérique à l'école en se disant on ne peut l'utiliser que si ça a une efficience pédagogique, je crois que ça limite un peu l'utilisation de ces outils qui ne sont pas toujours utiles. On est pas, voilà, pour apprendre et bien d'autres détours pour apprendre. En revanche, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que c'est moins le fait de se dire comment le numérique entre à l'école et il y rentre aux chausse-pieds, à toute force, etc. Notre question, c'est comment on fait rentrer l'école dans la société numérique, puisque c'est une réalité aujourd'hui. Et si on n'utilise pas ou si on n'engage pas les enseignants, on ne les forme pas à utiliser les solutions qu'ils souhaitent ou qu'ils considèrent adaptées aux besoins de leurs élèves, aux usages de leur classe, à leur contexte, si on n'encourage pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne les enfants à des usages passifs du numérique, des réseaux sociaux par exemple, et on laisse le numérique en dehors de l'école alors que notre société est entièrement numérique. Donc c'est plutôt cette approche-là, c'est-à-dire écouter les enseignants qui nous disent, nous, il y a une multitude de solutions, donc on a quand même besoin de s'y retrouver. Et pour ça, ben, un opérateur public avec le ministère de l'Éducation nationale est en capacité d'identifier aussi des solutions numériques qui ont un intérêt pédagogique, qui respectent un cadre éthique. Donc c'est aussi ce que nous proposons à Canopée. Et puis écouter les enseignants, parce qu'ils ont des usages pédagogiques particuliers en fonction des élèves qui sont en face d'eux. Il faut aussi les former à adapter leur séquence pédagogique avec des outils numériques. C'est pas une obligation, mais je crois que dans certains cas, ça peut susciter la motivation, susciter l'intérêt, et surtout permettre à l'école de ne pas être complètement déconnectée de la société dans laquelle évoluent les enfants aujourd'hui. Et ça me semble important pour que les enfants aient des usages intelligents du numérique, et qui dit intelligent dit éducatif. Alors, notre rôle n'est pas de diffuser les outils, puisqu'on est un opérateur de l'éducation nationale. C'est la direction du numérique pour l'éducation qui porte plutôt cette Alors responsabilité. plutôt de présenter quoi, c'est-à-dire de porter la Alors, connaissance des enseignants. en revanche, nous, on a plus une approche de service, service aux enseignants et service aussi à cette filière EdTech. Donc, ce qu'on propose, c'est de tester la solution, une solution comme celle que vous avez au rez-de-chaussée, avec un panel d'enseignants. Et là, on peut faire des études d'usage. On a un service à Canopée qui s'appelle une direction recherche et développement, qui est spécialisée sur les usages du numérique éducatif et qui produit des recherches, des synthèses aussi de recherche sur ces usages du numérique et qui organise aussi ces panels de tests avec des enseignants. Et nous avons des personnels spécialisés qui sont des experts pédagogiques et des chercheurs qui font ce travail de documenter, mesurer les usages. Alors, l'accélérateur pédagogique, c'est un service qu'on a lancé à Ludovia en septembre l'année dernière et qui propose trois choses. Qui propose déjà de répondre à cette demande des entreprises de mieux comprendre l'éducation nationale et ce manque qu'on a identifié de lien, et c'est bien le rôle aussi en tant qu'opérateur qu'on porte, entre l'éducation nationale et les entreprises. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on propose aux entreprises? De venir tester leurs solutions à Poitiers, mais aussi dans tous
les directions régionales de Canopée, les ateliers Canopée, puisqu'on est présent dans tous les départements, c'est le sens de la convention qu'on signe aujourd'hui, tester leurs solutions avec les enseignants, pouvoir faire appel à nos ingénieurs pédagogiques pour améliorer leurs solutions, sur le plan pédagogique, encore une fois, hein. C'est pour ça qu'on appelle accélérateur pédagogique, et puis aussi un service de mise en relation avec les acteurs clés de l'éducation nationale, de compréhension, de décodage du fonctionnement de cet écosystème, les marchés publics, que font les collectivités, que font les ministères. Et in fine, si ces solutions respectent un cadre éthique de l'éducation nationale, ce qu'on appelle le cadre de confiance, eh bien, nous pouvons proposer des formations aux usages de ces solutions EdTech. Ben, je crois que la limite, ça serait, disons, une approche très binaire du sujet. Soit une approche qui consiste à dramatiser l'utilisation des écrans, si c'est un vrai sujet, soit une approche qui consiste à tout numériser au nom de la d'une soi-disant modernité. Voilà. Et je pense qu'il faut avoir une approche très raisonnée, encore une fois, très à l'écoute des enseignants qui ont encore une fois énormément besoin de formation dans ce domaine et ne pas être dans le tout numérique pour autant. Voilà. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir une approche hybride. Encore une fois, c'est un peu le sens de l'événement qu'on a aujourd'hui, susciter la rencontre, l'interaction entre ces deux univers. Et encore une fois, je mets en parallèle tout l'historique du développement des manuels scolaires papier qui n'ont pas forcément fait l'objet de recherches ou d'interrogations sur leur efficience pédagogique, en tout cas pas toujours. Et donc cette défiance ou cette extrême confiance vis-à-vis du numérique, c'est ça qu'il faut essayer d'approcher de manière un peu plus raisonnée. Et puis je crois que vis-à-vis des élèves, il y a aussi un certain nombre de fantasmes qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire que l'idée que les élèves sont très acculturés au numérique, très à l'aise sur ces sujets, est complètement faux. On sait très bien que si on met un logiciel Word ou de traitement de texte entre les mains d'un enfant à l'entrée en sixième, il est incapable d'ouvrir un navigateur, incapable d'ouvrir une application, ou dans la plupart des cas. Et ça, ce sont des compétences numériques absolument indispensables pour évoluer en tant que professionnel dans le monde dans lequel on est. Donc c'est plutôt cette approche-là sur laquelle je suis assez convaincue, à titre personnel. C'est encore une fois, retournons l'approche et demandons-nous comment on forme nos élèves pour être des citoyens capables d'évoluer dans le monde dans lequel il est aujourd'hui, avec cette dimension numérique qui agit sur l'économie, les interactions humaines, qui est très complexe, à comprendre et à décoder. Alors déjà, si vous connaissez bien le monde enseignant, et c'est le cas d'EducaVox, les enseignants ont énormément de créativité, ont lancé eux-mêmes des solutions pour leurs collègues, etc. Bon, c'est, je suis toujours fascinée par cette inventivité. Il y a énormément de sites déjà disponibles, faits par les enseignants. Je pense que c'est la semaine des maths, là. Enfin, c'est pas la semaine des maths, mais il y a un débat sur les maths aujourd'hui. Un colloque sur les maths au Collège de France, bon, bah, on a un prof de maths extrêmement célèbre qui s'appelle Yvon Monca et que je sollicite chaque fois qu'il faut aider ma fille à faire un devoir de maths, par exemple. Voilà. Donc ça, on a quand même ce sujet-là. Ça, c'est cette idée des communs numériques, en tout cas ce mouvement des communs numériques, est porté par le DNE et par l'ADNE. Il a déclaré récemment qu'il rêvait d'un Wikipédia des communs numériques. Donc, en tant qu'opérateur de l'éducation nationale, c'est évidemment une volonté qu'on souhaite encourager. Et nous-mêmes, à Canopée, nous avons développé des communs numériques. Des solutions qui s'appellent, je pense à Cuisinière, commun numérique. Je pense à Canoprof, qui est aussi un outil pour créer des séquences pédagogiques qui sont ensuite partagées, qui sont des communs. Donc on est complètement partie prenante de cette approche que nous portons. Nous portons les couleurs en France et en Europe autour du libre.